Et pourquoi une petite sieste? Ça serait pas mal, ça. Mm-hmm. Il semblerait que ce soit recommandé, Julia, la sieste. Alors, on sait que c'est bon pour la santé. Moi, je voulais vous présenter ce projet assez insolite, assez étonnant, qui a vu le jour en Pologne. Regardez cet arbre qui est équipé de cocons en polyester. On est en pleine ville. Et dans chaque petit cocon, chacun est libre de se reposer, de lire, de s'allonger, de s'asseoir ou de jouer. Regardez comment c'est fait. C'est très sympa, ça s'appelle The Tree Hooper, l'arbre kangourou. Ah oui, je regardais, je me disais, mais je vois quelqu'un de mes... Oui. Ah oui, non, mais regarde, on voit déjà à l'intérieur. Alors, c'est une très très belle idée qu'on doit à un cabinet d'architecture polonais. Et l'idée a été reprise à Londres. À Porto Rico, regardez les enfants là qui sont dans un de ces cocons. La structure prend place tout autour de l'arbre, tout en respectant évidemment le végétal. C'est très très bien vu, donc tissé en polyester, avec évidemment le Wi-Fi, hein, parce qu'on est quand même en ville. Et j'espère pouvoir voir ça dans certaines villes de France, ce qui n'est pas encore le cas en ce moment. Regardez ce que ça donne. C'est très, très chouette. C'est pour bien. La sieste en ville. Voilà, vous faites ça discrètement si vous avez votre patron qui passe en dessous. Dites donc, Bécaro, ça va pour vous, là? Oui, non, mais j'arrive. On pourrait installer un petit arbre comme ça ici à France Télévisions. Il y a la place dans le hall. Hein. Ce serait pas mal. On a besoin de sieste, ça serait nous. Pas mal. Ouais. Merci beaucoup, Julia. Merci à tous.